accompagner les missions de la navette spatiale. Et finalement, on a décidé d'en faire une version permanente. Et il nous sert essentiellement à entreposer tous les équipements, la nourriture, les habits et toutes les choses qu'on va avoir besoin pour réaliser notre mission. Donc c'est ici qu'on vient essentiellement chercher des choses. Parfois, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est assez compliqué parce qu'encore une fois, ça devient un véritable labyrinthe. C'est aussi là qu'on entrepose nos poubelles parce qu'on ne peut pas les jeter dans l'espace. Donc tous les déchets qu'on produit, il faut bien qu'on les stocke quelque part et c'est ici que ça se passe. Sous nos pieds se trouve la cupola, qui est la fenêtre d'observation privilégiée de l'ISS. Stratégiquement placée, parce que quand on fait du sport, on a la chance parfois de pouvoir regarder le paysage. Encore une fois, ici c'est la nuit, mais c'est d'ici qu'on va prendre beaucoup de photos. C'est ici aussi qu'on a une station de pilotage du bras robotique. C'est ici qu'on peut apprécier le spectacle.